le sait, le chien est le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami du militaire aussi. Au sein de nos armées, on dénombre plus de 2000 chiens. Employés pour la recherche ou pour l'intervention, ce sont des compagnons hors normes, des soldats à part entière, sur qui repose parfois la réussite d'une mission. Nous sommes à Budel, aux Pays-Bas. Dans ce chenil, une quarantaine de chiens ont été triés sur le volet pour tenter d'intégrer les armées françaises selon un cahier des charges très exigeant. Nous devons sélectionner un chien assez courageux pour faire le test. Suffisamment mûr pour comprendre ce que nous recherchons. Un chien intrépide et qui sait mordre. Aujourd'hui, l'agent recruteur, c'est l'adjudant Gwendoline, 19 ans de service. Elle appartient au 132e régiment d'infanterie cynotechnique, qui est notamment chargé de la sélection des chiens au profit des trois armées. Durant deux jours, elle va soumettre ses chiens à des tests extrêmement poussés. Dans un premier temps, on a fait une phase de jeu, sociabilité. Ensuite, l'indifférence au coup de feu, ben forcément, on a un métier d'arme. On sera amené, nous, à tirer des coups de feu avec nos chiens au pied dans des phases de travail. Et si le chien il a peur des coups de feu, il sera inutilisable. Ensuite, la phase de courage. Et là, ben, c'est pareil, on va proscrire tout ce qui est crainte et agressivité incontrôlée. Et enfin, la qualité de mordant, ben forcément, vu que c'est des chiens qui sont amenés à faire du mordant et du travail d'interpellation, eh ben, il faut qu'on soit sûr qu'ils aient cette qualité-là. La scène est spectaculaire. Pourtant, le bâton est creux, plus impressionnant qu'il n'y paraît. L'adjudant Gwendoline recherche des chiens d'intervention. Le critère déterminant, la puissance de leur mâchoire. La sous-officier ne se laisse pas attendrir. À la moindre erreur, l'aventure s'arrête pour ses chiens. Suivant. Thank you. Finalement, Gwendoline va en retenir 18, essentiellement des Malinois, qui ont entre 10 mois et 2 ans. Parmi eux, ce chien a tapé dans l'œil de l'acheteuse. Son nom, Rocky. C'est un chien qui est très sociable, qui est super abordable, qui dans le travail est super demandeur. Et en plus de ça, il est joli. Et en plus de ça, il mord très bien. Premier round validé pour Rocky. Il doit maintenant prendre la route pour rejoindre son affectation provisoire. 4 heures plus tard, arrivé à Suippes dans la Marne, au sein du plus grand chenil d'Europe. Pour commencer, l'animal est mis en quarantaine afin d'éviter toute propagation de maladie. À partir de lundi, les chiens vont sortir tous les jours pour faire du jeu, du bâtiment, du milieu, du mordant, des coups de feu, afin de les préparer au mieux pour la livraison aux différentes armées. Mais avant cela, Rocky va devoir passer entre les mains des vétérinaires. L'équipe soignante doit déterminer s'il est apte à remplir sa mission. Pour lui, rien n'est encore gagné. Donc, je fais un premier examen de fond d'œil. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'atteinte des structures profondes de l'œil. Pendant cette visite d'incorporation, rien n'est laissé au hasard. Chaque partie du corps est minutieusement auscultée. Ben, si au niveau cardiaque, je peux entendre des souffles, donc ça veut dire que derrière, il peut y avoir une indisposition pour l'effort. Après, je regarde tout ce qui est appareil locomoteur, rapidement, voir s'il n'y a pas de plaie, s'il n'y a pas de douleur à la manipulation des articulations. En fin de consultation, Rocky est anesthésié pour passer sous rayon X. Voilà, je vous laisse y aller, merci. Les radios permettent de détecter d'éventuelles dissymétries au niveau des hanches et des coudes, cause d'arthrose prématurée chez le chien. Une pathologie éliminatoire. Ça le fait boiter, donc un chien qui boite au niveau militaire, qui a un emploi relativement physique, ça ne peut pas le faire. Pour Rocky, le parcours du combattant est terminé. Il fait désormais partie des chiens d'élite de l'armée française. D'ici quelques semaines, il intégrera une unité de l'armée de l'air et de l'espace. Sa carrière devrait durer 6 ans. Comme beaucoup de chiens militaires, il suivra son maître en opération à des milliers de kilomètres de la France. Ses missions difficiles nécessiteront un suivi vétérinaire régulier.
tous les ans, il a une visite systématique annuelle. Et c'est également à ce moment-là qu'est évaluée l'aptitude opérationnelle du chien. C'est la capacité qu'il va avoir à être projeté en opération extérieure sans avoir de problème sanitaire. Mais après, sur un animal blessé militaire sur un théâtre d'opération extérieure, généralement, il est pris en compte de la même manière qu'un combattant et il va avoir une évacuation sanitaire qui va être faite. La seule différence, c'est que son maître, normalement, va l'accompagner et va rentrer avec lui puisqu'il faut le gérer. Un juste retour au vu de la longue histoire qui lie l'homme au chien. Très tôt, il s'est révélé être un allié précieux. Il s'agit de la première espèce domestiquée, et ce, avant même la naissance de l'agriculture. Alors, les premières traces de domestication du chien par l'homme sont maintenant très anciennes. C'est autour de 35 000 ans. Ça fait déjà un laps de temps très long, et donc un compagnonnage très long entre les humains et les chiens. Alors, la Grande Guerre, c'est une grande période d'invention de l'utilisation des chiens, parce qu'on va s'apercevoir que ce sont des auxiliaires extrêmement importants. Alors, durant la Première Guerre, on a commencé par les chiens sanitaires, c'est-à-dire qu'on leur a appris à reconnaître les uniformes français, à prendre le képi, à l'emmener vers son infirmier pour lui faire comprendre qu'il avait trouvé un blessé et ainsi à le ramener ensuite vers le blessé. Avec la guerre des tranchées, les choses ont complètement changé. Dès la fin 14, début 15, ce sont les Français qui en ont eu l'idée dans les Vosges d'utiliser des chiens pour guetter l'arrivée des adversaires. Et puis ensuite, l'autre utilisation qui était très importante, ça a été de transporter du matériel, des munitions, dans les premières lignes, dans les tranchées. Et enfin, la dernière grande fonction, celle vraiment qui est devenue la fonction à succès, à partir de 1915-1916, c'est le chien messager. Le rôle du chien est plus restreint au cours de la Seconde Guerre mondiale, pour mieux le protéger. Le chien obtient de plus en plus un statut tout à fait privilégié et ça devient difficile d'en faire une chair à canon. Et la diminution de l'utilisation du chien est due à des moyens technologiques nouveaux, mais due surtout à ça. Si le chien est tellement prisé par les militaires, c'est notamment en raison de ses formidables qualités naturelles. Les chiens ont des capacités que nous n'avons pas, ou en moindre degré. Par exemple, la capacité olfactive, elle est bien plus développée chez le chien, jusqu'à 1 million de fois supérieure à la nôtre. Ils sont capables de repérer les odeurs anciennes, les odeurs récentes et les odeurs qui arrivent. Autrement dit, un chien, on pourrait dire qu'il vit dans 4 dimensions, y compris le temps. Une conviction profonde pour les militaires, un bon chien est d'abord un chien heureux. On a compris depuis une trentaine d'années que l'efficacité d'un animal est totalement liée à son bien-être. On s'est rendu compte pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale qu'une bonne utilisation du chien suppose une très bonne entente entre le chien et le conducteur. Et c'est maintenant une idée qui est extrêmement importante dans les armées modernes. Un chien ne peut pas être un bon chien s'il n'y a pas vraiment un lien très fort avec le conducteur. Les fusiliers marins de Cherbourg et leur chien Pocky, Cédra et Naxi vivent cette osmose au quotidien. Le chien fait partie de l'équipage au même titre que les marins humains. Ce sont des marins à quatre pattes. Ils ont un matricule comme n'importe quel personnel militaire. Ils font l'objet d'une sélection, d'un entraînement comme n'importe quel opérateur. Le fusilier marin opère dans un espace terrestre mais également maritime et son compagnon à quatre pattes doit pouvoir le suivre dans toutes circonstances. Pour ces chiens, une obligation, avoir le pied marin. Cédra, c'est une des meilleures nageuses de Cherbourg. Donc il faut savoir que les Malinois sont des chiens très rustiques. Ils sont beaucoup plus résistants à la chaleur et au froid que d'autres animaux et que nous. Ils ont un sous-poil en fait qui les protège. Vu que nous, dans la marine, on est amené à intervenir donc sur des bateaux et sur des zodiacs en engagement, si jamais on se retrouve au même titre que l'homme à tomber à l'eau avec le chien, il ne faut pas que le chien devienne un boulet ou un poids mort et qu'il risque d'accentuer un risque de noyade pour son propre maître.
Les missions de ces équipiers sont multiples. Les chiens d'intervention assurent la défense des bases et des ports de la Marine nationale. Suivi de Alpha. Vous les postez, préparez-vous à envoyer les chiens. Marine nationale, coupez votre moteur! Quant aux chiens de recherche, ils sont dédiés à la détection de matières explosives ou de stupéfiants. L'intérêt du chien dans la lutte contre le narcotrafic, c'est sa capacité à évoluer dans des espaces restreints de manière beaucoup plus efficace qu'un opérateur humain. C'est également sa capacité à sentir. De même, il a une meilleure vision nocturne qui lui permet d'opérer notamment dans les bâtiments où la marchandise peut être cachée des fois dans des endroits très exigus. Il a une vraie plus-value. Donc, en tant que cynotechnicien, nous sommes déployés à bord des bâtiments de la Marine nationale au sein d'une équipe de défense et d'interdiction maritime dans les océans Indien et au niveau des Antilles. Pourquoi opérer sur ce genre de lieu? C'est parce que c'est une plaque tournante pour la drogue. Les résultats sont impressionnants. Au large du golfe de Guinée, dans l'océan Indien, aux Antilles et en Polynésie française, en seulement 6 mois, de janvier à juin 2021, la Marine nationale a saisi près de 32 tonnes de drogue. Par ses qualités exceptionnelles, le chien peut aussi sauver des vies. La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a elle aussi recours au chien d'olfaction, spécialisé dans la recherche et le sauvetage de personnes ensevelies. Le sergent-chef Sébastien a vécu une de ces situations dramatiques. Le 12 janvier 2019, une fuite de gaz provoque une explosion dans une boulangerie du 9e arrondissement de Paris. Ce jour-là, j'étais en position de repos et il y a le chef de groupe cynotechnique qui m'informe qu'une équipe est partie sur un renfort secours. Le renfort secours chez nous, c'est quand on a des collègues qui sont mal en point, qui sont pris dans un ensevelissement ou dans une explosion, ou qui sont blessés. Et il me dit, prépare-toi parce qu'on va sûrement partir renforcer l'équipe de garde. Il m'appelle 5 minutes après, il me dit, bon, bah, entre vite à la caserne. Arrivé rue de Trévise, au cœur de la capitale, c'est une vision d'horreur. Le souffle a tout dévasté dans un rayon de 100 mètres. On savait que c'était fuite de gaz, mais ça faisait plus penser à soit un attentat ou soit une image de catastrophe. Ça m'a fait penser à un peu l'ouragan Irma avec des voitures retournées, des vitrines cassées, des vitres partout. Il y avait encore une personne, un de nos collègues enseveli. Donc forcément, les recherches doivent être rapidement menées et on doit être actif sur ce genre d'intervention. Avec Itak, son berger belge Tervuren, Sébastien prend part aux recherches. 6 binômes se relaieront au cours de l'intervention. On est arrivé environ à 9h, après les premières équipes, si je me rappelle bien. Et on est resté jusqu'au moins minuit, 1h du matin. Parce que forcément, oui, il y a les reconnaissances rapides à faire pour retrouver les personnes qui manquent. Mais il faut aussi couvrir tout l'autre secteur parce que ça avait aussi impacté les immeubles d'à côté. Et il fallait aussi faire toutes ces reconnaissances et tous ces relevés avec les chiens pour ne pas oublier d'éventuelles victimes. Malgré l'importante mobilisation des secours, le bilan est lourd. 4 personnes décédées, dont 2 pompiers, plus de 60 blessés et 400 sinistrés. Des missions physiquement et moralement difficiles qui demandent des chiens aguerris, à l'aise partout, peu importe ce qu'il se passe. On les entraîne quotidiennement dès qu'on est de garde et dans un premier temps, on leur apprend à aboyer, ensuite à franchir des obstacles. On ajoute du bruit, des gens en mouvement sur le terrain, des odeurs différentes. On met des personnes d'ethnie différentes, on fait intervenir des camions avec les gyrophares tournants. Des fois, dans les caches, on met des personnes en tenue de pompier, parce que comme on l'a pu le voir sur le Trévise, ça peut arriver. C'est bien, hein ? Ce soir, un de ces entraînements a lieu en banlieue parisienne, sur une aire de formation cynotechnique. Les pompiers vont devoir faire leur preuve dans ce millefeuille de structure en béton. Vous allez avoir entre une et 3 victimes chacun sur 3 ou 4 chantiers chacun avec un temps qui est défini. Ok ? En moyenne, il faut 2 ans pour former un chien pompier. Pour Mathieu et Popeye, la formation touche à sa fin. Ce soir, c'est l'ultime répétition avant l'examen final. Bonjour messieurs, c'est les pompiers ! Et c'est Sino pour Sinora. Se repérer dans l'espace, ne pas perdre de vue son chien,
et prendre en compte sa fatigue olfactive, autant de difficultés qu'il faut gérer en un temps limité. Je suis content du chien. Le chien a très très bien travaillé. Il m'a fait un bon engagement. Après, c'est des erreurs de... On a fait plein de petites erreurs de jeunes conducteurs. Moi, en l'occurrence, je lui fais pas le reproche qu'on fait, c'est que je lui fais pas assez confiance. J'insiste trop sur mes pièces, c'est pour ça que ça dure longtemps. Alors que lui, il m'a clairement dit que... Bah, il n'y a personne. Là, aujourd'hui, l'exercice était fait pour quand même les sortir un peu de leur quotidien. Donc, ils n'étaient pas spécialement dans la grosse difficulté, mais c'était pour vérifier que les actes réflexes qu'on attend d'un sapeur-pompier étaient là. Et là, c'était le cas. Après, il y a encore des petits points perfectibles à améliorer. C'était pas parfait, mais clairement, c'est une équipe qui, demain, sera opérationnelle et en qui j'aurai parfaitement confiance. La confiance, un élément indispensable pour qu'un binôme fonctionne. Sur la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, les hommes du commando parachutiste de l'air numéro 10 le savent parfaitement. Depuis plusieurs années, cette unité des forces spéciales a placé le chien au centre des groupes. À la clé, de nouvelles méthodes de travail et du matériel dernier cri. Aujourd'hui, Onyx, un Malinois de bientôt 3 ans, ne tient pas en place. Avec Aldo, son maître, il se prépare pour un exercice revêtu d'un casque muni de caméras. Onyx, Nyx. On a vraiment un visuel assez panoramique de la vision du chien. En plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut, dans cette pochette, mettre une petite radio et être en liaison radio avec lui et lui donner des commandements à distance si nécessaire. C'est donc équipé en super combattant qu'Onyx et son maître participent au briefing. Ok les gars, donc on part pour une mission de reconnaissance offensive du bâtiment. Il y a peut-être présence d'un otage. Le binôme travaille ensemble depuis moins d'un an. Pourtant, la symbiose est totale. Dans la colonne, le chien reste parfaitement silencieux et réagit au mouvement du commando. Malgré l'obscurité de la pièce, l'attaque est rapide. L'ennemi est mis hors d'état de nuire. La vitesse du chien et sa petite taille en font une cible beaucoup moins facile à atteindre. Le travail d'Onyx n'est pas terminé. D'autres pièces doivent être encore passées au crible. Sa caméra embarquée va être très précieuse. Voilà, clairement, on est en train de lever un doute sur la pièce, savoir s'il n'y a pas déjà quelqu'un. Et après... Ça peut permettre au chien de lever un doute sur un éventuel piégeage en recherche d'explos. Les images en haute définition prises par la caméra du chien donnent au groupe une vision précise de la situation. Avec une portée de 800 mètres, l'appareil est un atout en zone de combat. Dans des situations de doute ou lorsqu'il y a suspicion de présence d'un personnel ennemi, on préfère utiliser le chien qui sera en mesure de neutraliser un éventuel ennemi ou alors de marquer la présence d'un explosif. Et alors, on pourra adopter l'attitude adaptée pour éviter qu'un de nos opérateurs s'expose de trop et soit blessé au combat. Neutraliser un ennemi, détecter des explosifs, ce double emploi du chien est une particularité du CPA-10. Il fait gagner un temps précieux aux aviateurs, un avantage non négligeable lorsque l'on est en opération. C'est bien, mon titi. La journée terminée, le duo peut décompresser. C'est en partie pour ces instants de complicité qu'Aldo a toujours voulu être maître chien. C'est le travail d'équipe, c'est le travail avec l'animal. C'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et moi, c'était un peu un rêve de gosse. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve. Ici, les chiens sont complètement intégrés à la vie quotidienne des groupes. Il n'est donc pas rare de croiser un Malinois à la pause café. Un moment de détente qui permet aussi aux chiens de mémoriser les odeurs de chaque membre. Des données capitales lorsqu'ils seront en mission. Allez, là, c'est bon mon gros. Impeccable. Et celui qui se fait chouchouter, c'est Ice. Un beau bébé de 37 kilos, lauréat en 2019 du trophée des chiens héros pour son intervention dans la capture d'un chef djihadiste et la localisation de 2 caches d'armes au Mali. Pourtant déjà expérimenté, Ice ne cesse de se perfectionner.
Aujourd'hui, il s'exerce à la dépose de drones terrestres avec son maître Marcus. On lui donne la caméra, il la prend, il allait très très vite, il nous la dépose, il revient. Nous, on le protège avec des boucliers, et nous, on a une recopie à notre niveau de la caméra. Et du coup, mon chef de groupe peut anticiper stratégiquement. On va aller à droite, on va aller à gauche. Attention, il y a peut-être quelqu'un. Grâce à ce matériel transporté par ICE, le groupe spécialisé dans le contre-terrorisme et la libération d'otages est moins exposé. Pour le chien, c'est un travail qu'il faut répéter encore et encore afin d'être toujours plus efficace sur le terrain. Même chose pour son harnais, il est le fruit d'un retour d'expérience des premières missions en Afghanistan. Les opérateurs peuvent y accrocher des lampes, des grenades ou des garrots, utiles pour eux comme pour le chien. Le fait que le chien soit en permanence avec les opérateurs, en fait, nous, tout le monde peut aller... Peut se servir sur ICE, peut le toucher. Il y a jamais de... On nous demande souvent, ouais, le chien, il va pas être dangereux, il va pas attaquer quelqu'un. Bon, en fait, c'est extrêmement bien équilibré. Il est vraiment intégré à 100% avec l'équipe. Et aussi très bien protégé, même si cela le dérange parfois. Donc là, on va lui mettre des petits chaussons pour protéger tout ce qui est coussinet, en fait. Donc, à plus soin. Donc c'est pour tout ce qui est travail en zone rocheuse très abrasive, débris en bâtiment. Voilà. C'est compliqué à faire pour le chien. Alors au début, c'est assez rigolo. Ça ressemble un peu à un cheval ou une espèce de girafe qui apprend à marcher doucement. Allez. Même là, il sait ce qu'il attend, donc il n'est pas très content. Ces chaussons ne sont pas des gadgets. Ils ont fait leur preuve au Mali, dans la vallée de la Mététaï, connue pour ses pierres noires coupantes. Habituer l'animal à les porter est essentiel. C'est aussi le cas pour son masque, utilisé cette fois via sa vision infrarouge. Avec son redoutable savoir-faire, Ice trouve rapidement la charge explosive cachée. Montre-moi. Mets ton nez. En fait, au niveau partie supérieure du casier. Et là, en fait, il ne va plus bouger maintenant, il va nous attendre. Il attend en fait qu'on le rappelle. Donc là, on le fait revenir. Travailler pour le protéger lui, parce que ça reste quand même dans la réalité, ce serait une matière explosive. Améliorer les technologies et les techniques est un leitmotiv quotidien chez les maîtres chiens du CPA10. En novembre 2020, ils ont réalisé une première mondiale, faire sauter sous oxygène au Laos avec son maître Pablo. Un exploit rendu possible grâce au projet Arcane, imaginé par Travis, un lieutenant chuteur opérationnel lorsqu'il était en formation. Ce dernier étant déployé en opération, ses compagnons d'aventure nous racontent. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'École de l'air et on a échangé autour de son sujet de mémoire de fin d'études où il s'interrogeait sur la possibilité de pouvoir emmener un chien dans toutes les possibilités de mise en place au niveau du CPA10, dont l'exigeant saut opérationnel à très grande hauteur. On a fait appel au vétérinaire Thierry pour pouvoir nous amener sa connaissance aussi sur le chien, toute la physiologie du chien. On a discuté, on a dit bon, ça n'existe nulle part. On se lance. On est allé chercher du soutien auprès de l'agence Innovation Défense qui nous a soutenus financièrement. Et puis on s'est lancé et donc dès 2017 pour arriver à une version validée 2021. La première question, c'était, était-ce nécessaire de mettre le chien sous oxygène? Et en fait, la réponse, elle est loin d'être aussi simple, puisque l'oxygène n'est pas forcément quelque chose de bénéfique, en particulier pour le chien. Et puis, deuxième contrainte, c'est qu'il faut lui faire respirer de l'oxygène, mais en totale étanchéité, pour qu'il ait un pourcentage d'oxygène qui se rapproche de 100%. Et ça, c'est pareil. Mais en fait, la conformation du chien, elle n'est pas du tout comme la nôtre. Une année entière et une dizaine de modèles ont été nécessaires pour valider la forme définitive du masque. Tout cela en préservant l'intégrité physique de l'équipier à quatre pattes. Le bien-être animal est forcément au centre de toutes les discussions et de tout ce qu'on fait, hein, nous, bien évidemment. Mais c'est pour ça qu'en fait, le réflexe de tous les maîtres chiens, je dirais, quand ils veulent, sans parler d'innovation, mais quand ils veulent mettre en place un nouveau matériel, en règle générale, on est très vite associés, nous, vétérinaires. Si le chien n'est pas bien ou quoi, ça ne pourrait pas matcher, comme on dit. Tout ça, en fait,
ça fait partie du package, si on peut dire ça comme ça. Ou si le chien est bien dans sa tête, bien dans son corps, etc., il peut donner que des bons résultats. Au même titre que l'homme, quoi. Voilà. Et pour sauter à très grande hauteur depuis la soute d'un transal, que l'on soit un chien ou un humain, il faut être bien préparé. Exceptionnellement, le duo à l'écran joue pour nous les mannequins. Entre le parachute, la gaine, le casque ou encore le masque, le chuteur va porter pas moins de 130 kg sur lui. Le chien, une fois qu'il sera arrivé au sol avec son maître, le maître va le déséquiper, le sortir de son harnais, et le chien va pouvoir travailler, on va dire, normalement, même après un saut de très grande hauteur. Et c'est ça qui fait un peu la différence pour des chiens comme les nôtres, c'est qu'ils arrivent à faire un travail, on va dire, classique, entre guillemets, en ayant fait une dérive sous voile à très grande hauteur. Cette innovation exceptionnelle a remporté au mois de juin le premier prix du commandement des opérations spéciales à l'occasion du salon des forces spéciales à Souges en Gironde. Avec le chuteur opérationnel, le maître chien qui est qualifié Oxy et le système Arcane, ça permet aujourd'hui de pouvoir déployer et mettre à terre les équipes des forces spéciales partout dans le monde, n'importe quel point du globe, tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Le dispositif devrait être bientôt présenté aux autres armées. En attendant, les aviateurs d'Orléans travaillent déjà sur de nouveaux projets. Si au fil du temps, le rôle des chiens et leur statut a évolué au sein des armées, leur engagement, leur loyauté et leur abnégation n'ont jamais fait défaut. Les témoignages de reconnaissance rappellent toute la pertinence de l'emploi du chien dans les opérations. Aucun doute, leur avenir est assuré aux côtés des militaires.